au maximum. Ça se passe ce soir, Maximum Battles numéro 7. MC à ma droite, présente-toi. Yo, Jimmy the Master, ça fait fucking longtemps que j'ai pas fait ça. Puis let's go, man, let's do this shit. Yes, MC à ma gauche, présente-toi. Alien Nation, Brain Invasion, let's go. Alright, yes, on va faire le coin toss officiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 25 cents dans ses mains, live? 2 piastres. Qui c'est pas bro qui sait? 1 piastre. Alright, pile ou face? Pile. C'est face. Tu commences ou il commence? Gino commence. Juste avant, j'aimerais dire un petit mot à mon co-host, vas-y. Are you motherfuckers ready? All right, maximum battle. Quand je dis maximum, vous dites battle. Maximum. Battle. Maximum. Battle. Run, run. All right, maximum event. Ça veut dire maximum de bruit. Quand je dis bonne fight, vous dites Chucky. Bonne fight. Chucky. Bonne fight. Chucky. Let's go. À soir, je suis back. Puis je battle les liens. Plusieurs voient ça comme un mismatch. La dernière fois que j'ai battle, ça fait 4 ans, pis j'ai à peine fini le clash versus ce gars qui roule sa bosse pis qui a fait des bons matchs. Maçon, je m'en viens montrer pourquoi on était à la même place. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Qu'à chaque battle, t'arrives clean, bien préparé. What? Yo, à chaque battle, t'arrives clean, bien préparé, pis tu démontres beaucoup de passion. Mais tes battles sont aussi proches que ta première prestation. Fuck, man. Yo! J'ai pas fait mon. Alright. Garde-toi, garde-toi. Tac. J'ai bu trop de bière là. Alright. Yo! C'est moi ça. Puis comme je dis, ça fait 10 ans que tu battles. Puis t'as jamais percé, malgré le potentiel, boy, ça devient gênant. Word up te fait monter trop vite, en donne à bouillard. Puis tu t'es jamais remis du body back cinglant. Fait qu'au final, t'es juste un flop. Louis Leblanc. Yo, vous savez quoi? 4 fois que tu ballons au maximum. Vous savez, 4 fois que tu ballons au maximum contre des adversaires de merde, pis t'as l'air bien fier de toutes les planter. Mais la seule raison que t'es ici à chaque event, c'est que c'est la seule ligue qui veut te booker. Yo! Pis je te vois de journée en parlant de ce que j'ai fait il y a 5 ans, en disant que j'ai le pire des watts, pis j'avoue que c'était vrai. Non, j'avoue que c'était vrai. Mais dans ce ballon, je m'avais prouvé que j'étais pas, pis ça, c'est quelque chose que t'as jamais fait. Time! Oh, yeah. Time! Yeah! Alien, round one. Let's go. Alien, get him! Depuis tantôt, je te regarde, y'a toi qui gosse. T'as l'air d'un fucking Ewok albinos. Puis on voit que dans ta vie, tu dois pas avoir full option pour pointer dans un battle avec un swag de scout mormon. Ok. Tu sais quoi? Ta mère doit s'appeler Ginette puis masseuse. Ton père est Ringo Pasteur. On va mixer les deux, Gino le Master. Let's go! Master. Afin de ce battle-là, tu vas avoir besoin d'une tonne de plaster. T'aurais pas dû accepter le battle, mais t'es pas vite. Il y a un lézard dans ta roue d'hamster. Hey, Liam, let's go! On n'aime rien chez toi, à part peut-être le fait que ta soeur soit rendue majeure à cette heure. Je suis le Negro Fly. Considère-moi comme ton oiseau de malheur. Hey! Yo! Je pensais écrire juste 2 rounds, tellement que t'es habitué de faire les auditions. Après ça, je me suis dit, fuck the shit! J'écris pas pantoute pour ce pauvre petit con. Hey! Talk to him! J'y vais en freestyle, solo, mais il y a tellement de punch, tu penses que c'est un PI! Hey! Solo! Hey! J'suis une putain de machine de guerre. Yo, je vais tremper ta narine de bière.
c'est freestyle dans le spot. Mister, I don't give a fuck. J'te shot, easy. T'es cheesy. Believe me, j'devrais m'arrêter tout de suite pour te laisser une petite chance. Mais fuck that, j'vais te laisser en transe. J'vais te laisser en tranche. Yo, tu fais pas de sens, tu choke à chaque deux lines. Mon gars, oublie, même s'il y a des projecteurs, impossible que tu shine. Hey! I got the word, puis j'ai une fille à m'occuper. T'étais pas assez important pour que je travaille toutes mes idées. Hey! Je me suis dit, damn, je suis assez fly pour le pet on the spot. Puis c'est ça que je suis en train de faire. Tu dis que c'est ton comeback? Bitch, je retourne en arrière. Time! Alright. We got a battle. Deuxième round, Gino the Master. All right, guys, I'll keep it down. All right, let's go, Gino, round two. Yeah. All right, tu parles de retraite, puis de retour en arrière, faggot. Keep it down. S'il vous plaît, on garde le silence pour les MC, on garde le respect, merci. Hold it down, hold it down. Yo, tu parles de retour en arrière, puis de retraite, faggot, mais il y a à peine un mois sur Facebook, t'annonçais ta propre retraite. Hey! That's fucking true. Yo, pis depuis tantôt, t'es sur le stage, tu te la joues comme si t'étais excellent. Mais sur le fucking stage de Chucky, t'étais juste un fucking figurant. Oh! Yo, pis à chaque ballon, tu traites tes opposants pussy, pis t'as des patterns qui disent qu'avec tes points t'es son. Mais ça fait 10 ans que t'as le même refrain, pis non seulement tes lines sont pas bonnes, mais faudrait que tu réalises, tu fais peur à personne! Oh! Plus grand intimidateur, c'est pas comme moi que ça va marcher. T'avais l'air bête off quand tu as le beat, du haut de 630 livres, va dire que t'allais le casser. Ma soeur t'en pogne un plus gros là, tu décides de te calmer! Oh! Let's go! It's true, man. Let me see what you got. Hold it down. Let's go. Yo, puis ton attitude de grand méchant, c'est juste une attitude que tu donnes pour le show, parce qu'avec ta shape, c'est ce que les gens veulent. Mais tu viens inoffensif car c'est ta femme et ta gueule. Oh. Et c'est comme tous ceux que tu lises la violence dans leurs textes. À quoi bon dire à ton opposant que tu vas casser la gueule avec tes poings? Qu'un seul contact physique que t'as avec, c'est une poignée de main. Yo! Pis le voir brag. Let's go! Yo, pis le voir brag sur tes aptitudes au gym, on s'en calisse. Personne veut l'entendre. Ce qu'on veut voir, c'est pas tes pipe boys, c'est ce que t'as dans le ventre. Let's go! Hey! Time! Hey! Alien, round two. Yeah. Let's go! Yo! Hein? Tu parles de points, à la fin, tu seras pas identifiable. Moi, je veux pas savoir ce que t'as dans le ventre. Pour moi, t'es rempli de sable. Hey! Oh! T'es une tank enterrée dans le jardin. T'es rempli de marbre. Hey! Yo, je te plais, tu dis, oh, je peux freestyle pendant 30 minutes, mais personne veut t'entendre. Si tu fais ça, je prends toutes les lighters dans place puis tu vas finir ensemble. Hey! Talk to him, bro! Je retourne dans ta chambre. T'es en train de faire honte à ta sœur. Elle sait même plus où se mettre. Elle est comme merde. Encore une autre fois, on va montrer qu'il est juste bon pour perdre. Shit. Hey, je vais peut-être m'arrêter. Te laisser une chance. Mais fuck that, man. Moi, je suis là pour faire le bread. Puis, en ce qui paraît, c'est là pour un petit rouge. Puis c'est moi qui vais le prendre. Comme si je venais kidnapper un native. Non. Go! Un Christ, ta soeur l'a compris avant toi, Carlis. Aïe! Yo! Kill him! Laisse-moi prendre mon shit, oui, je m'en viens de kill. T'inquiète, for real, c'est easy que je le fais, je le deal. Yo, je le passe à fucking n'importe qui dans le street. Tu sais que c'est rapide que je fais le shit quand c'est le temps de eat. Tu vas pas repartir avec le bread, mon gars. C'est impossible, mon gars. T'as l'air de putain de mon gueule. Pourquoi tu veux me fixer dans les yeux comme un attardé? J'en ai rien à foutre, mon gars, je vais te claquer. Yeah, là, je te laisse un round. Parce que je pense en gagner deux. J'en ai rien à foutre, mon gars. Ouais, je suis sérieux. Je te laisse toujours une petite avance.
pour question de remonter ta valeur. Mais à la fin, mon gars, c'est sûr que tu vas avoir peur. J'ai perdu des lines, mon gars, t'es lucky. Yes, sir! Let's go! We got a battle! Time! All right! All right, est-ce que vous êtes toujours là? Yeah! Faites du bruit, s'il vous plaît! Round 3, quand je dis maximum, vous dites battle? Maximum? Battle! Gino? Alright! Alright! Freestyle pour le troisième round, comme si t'étais le big boss! Ouais, deux, troisième, whatever, man. Tu viens freestyle ton round comme si t'étais le big boss. T'arrives ici, tu penses que tu fucking, t'es fucking ring general. Mais t'as jamais été booké dans un event world up. Ça fait genre 5 ans que tu battles dans des fucking events où y'a personne qui écoute des battles, man. Fuck that. Alright. Don't choke, let's go. No choke, no choke, no choke. Alright, t'as fait un stat sur Facebook en disant que tu prenais ta retraite. Pis tout le monde était down. C'était vraiment respectable. Mais les gens étaient pas down pour tu quittes pour être down. Le monde était hype depuis tant de temps de rap. Yo, yeah! Pis tu dis l'avoir fait pour ta vie de peur, pis pour sortir du struggle. Mais la seule raison que tu quittes, c'est ta défaite contre Disciple. Ouais. Pis sur ton statut, te dis. Ok, ok. Fin de carrière. Fin de carrière. Sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. Tu dis avoir une carrière, mais même moi, j'ai plus de track que toi. Yo, dans ce round, je te dis, ce fait que tu quittes, mais en vrai, j'étais vraiment fier de toi. T'as décidé d'être mon père, puis t'as fait preuve de bonne foi. Mais évidemment, t'as scrapé le tout pour revenir ici. C'était pourtant la première fois que tu prenais une bonne décision dans ta vie. Yo, ça après avoir perdu contre Dee, pis Gino the Master, c'est clair que la honte, tu voudras plus la vivre. Fait que c'est clair qu'à soir, ta retraite, elle est définitive! Fuck! Yo, so pour conclure, fuck ton comeback, ton rap c'est de la merde. J'espère que maintenant tout le monde le comprend. Tu vas retourner en retraite pis t'occuper ton enfant. Oui! Ok! Round 3, final round! Alien, it's on you! Alright guys, keep it down! Yo, finish it! Tu parles de tous tes tracks, mais est-ce que tu trippes? Ça sert à quoi d'avoir 40 tracks quand qu'ils se font tout skip? Oui! Talk to him! Yo, bro! Paul! Je suis le négro out of space! Yeah. Tu peux m'appeler Venom! Cette bitch, je vais tellement la niquer qu'elle va finir le Venom. Hey, oh. hey, cochon. Ouais, je m'en viens péter ton fiel. T'es tellement un gros loser que si je te fais la peau, c'est pour me faire un divan en L. Hey, oh. hey. Ça va chier. Le gars l'a dit. Je fais des putains de sauvagerie. T'as aucun flow, aucun beat, aucun shit. Pourquoi tu te présentes? Yo, à la fin, c'est sûr que tu te la mentes. C'est sûr que tu te la plantes. J'en ai rien à foutre, mon gars. Je snap ta gueule comme Jacques Plante. T'as oublié le masque. Fucking tough, fallait pas que tu testes le black. Black Panther, toi t'es la panthère rose. T'es juste une autre chose. Je vais te faire finir avec une overdose. Punchline, after punchline. Non, j'arrête pas. Yo, c'est comme ça, mon gars. À chaque pas, toi. Tes punchs sont comme un kid devant le club. Ils rentrent pas! Hey! Let's go! Hey, Lil, let's go! Tu pensais vraiment venir me school dans ce rap jeu? C'est moi qui ai le mode d'emploi. Je suis dans ma fucking navette. Si tu croyais que c'était une game, c'est moi qui ai la manette. Get the fuck out! C'était là pour assister au battle Alien contre Gino the Master. Je pense que c'est sans équivoque qu'Alien gagne le battle. Il était plus convaincant que son opposant. Gino the Master, peut-être essayer de structurer mieux ton texte. Tu voyais que c'était trop long, tu as cherché tes lines à quelques reprises. Alien, c'était convaincant. Les punchlines y ont rentré. J'ai vu les multisyllabes.
c'était dope, man. C'était dope. T'étais de calibre word up, clairement. Gino the Master, je pense que t'as du travail à faire en pratique. Donc, respect à toi quand même, t'as pas de choke. Donc, bon battle, puis continue là-dessus. What up, yo? C'est Dice B, Nuit Blanche, 102.3 FM, l'émission qui bouge et qui dérange, you know what I mean? Et, you know, le MC, of course. Bon, mon jugement, c'est simple. Il y avait 3 rounds. Mon seul problème, c'est que les gars voulaient tous freestyler. Je pense pas que c'était leur point fort. You know what I mean? Donc, ils auraient dû rester sur leur texte. Prends le shit un peu plus au sérieux. C'est au maximum ou c'est pas au maximum? Vous faites quoi? Fait que ça m'a fait chier un peu. You know what I mean? Je viens juger, comment? Mais sinon, of course, c'est Alien. Parce que clairement, Alien est un vétéran de ce milieu. Donc, yeah. Mais quand même, you know what I mean? Oh, man. Tu viens au maximum, viens au maximum. Oh, man. C'est pas une affaire de freestyle, vous êtes pas M&M. This ain't fucking 8 Mile. Si tu viens faire ça, fais-le pour de vrai. C'est juste ça que j'ai à dire, man. Mais sinon, it was all good. Nice beat. Word. Sceptique, je suis ici pour juger le battle. Gino le Master contre Alien. Gros battle pour vrai. Sans équivoque, comme Chux l'a dit, ça va du côté d'Alien pour son contrôle. Sa technique est arrivée, il était nonchalant, ça a bien passé. Beaucoup d'aimmakers. Je sentais que Gino le Master avait plus de jab, beaucoup d'intensité dans son approche, dans son delivery. Des fois, ça manquait beaucoup de finesse. Il y avait beaucoup de personal de son côté, par contre. On sait qu'Alien est arrivé plus freestyle. C'est sa nonchalance qui a fait la différence. Donc, big up aux deux. Gros battle. L2RB. What's up? Donc, il y a un quatrième juge qui n'est pas là ce soir. Il est sur Internet. C'est le public. Donc, il y a trois juges. Il y a Sceptique de la Relève Battle. Il y a... Relève Rap Battle, pardon. Il y a aussi Samuel Baudouin, aka Trix de lazonerap.com. Et il y a aussi Dice B de Nuit Blanche, la radio qui bouge et qui dérange. Yeah! All right, et c'est unanime, 3-0, le vainqueur, Alien! Bien sûr, on vous invite à voter sur le public sur Internet, sur la page de Maximum Event QC. Quand je dis Maximum, vous dites ballon! Maximum! Ballon!